Okay, thank you, Jesus. Ok. Bonne arrivée à la lumière des Saintes Écritures. Notre mission matinale pour commencer la journée avec Jésus-Christ. Désolé pour hier. Je n'ai pas pu être là au rendez-vous à cause des occupations. Et généralement, vendredi matin, c'est compliqué parce que je suis au volant pour retourner chez Yaoundé. Donc, connectons-nous massivement ce matin, partageons la vidéo, invitons nos groupes. Nous allons commencer cette journée avec Dieu et nous allons l'achever avec Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et nous parlons de briser les limites avec Jésus-Christ. Voilà, nous laissons encore 2 minutes pour que nos frères puissent se connecter. Nous sommes là. Bienvenue à tout le monde. Maman Nyango, Honoré Olympio, you are welcome. Bienvenue à Marie Akoli. Bonjour. Merci pour l'équerre. Bienvenue à Florence Ngomatip. Ngomatip. La fille de Matip. Ah, ça c'est bien. Bonjour à vous. Bonjour à Lucienne Besson. Bonjour à Sandrine Makogo. Bonjour à Clarinette Gankyo. Ça, les noms sont tellement oints ce matin. Ça montre que cette journée est ointe. Bonjour à Innocent Cordeclia. Powerful. Élisée Osege. Bonne arrivée. Bonjour. Madeleine Yaki. Bonne arrivée. Sandrine Makogo. Bonjour aussi. Emma Dakimi. Bonjour. Annette Eto. Bonjour. Keilia Lemogum. Ah non, ça c'est un nom puissant. Tonne comme les 7 tonnerres du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Michou Nato. Bonne arrivée. Si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas encore, comment on dit ça, enregistré dans notre page, s'il vous plaît, faites-le. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à Mendo O. Alvin. You're welcome. Bless you. We love all of you this morning and forever. We bless the Lord for you. Thank you to Deska Brahoa. Powerful name. Emmanuel Loïc Mbala, depuis Bruxelles, je bénis Dieu pour tes vacances au Cameroun. Et Dieu qui t'a amené en paix jusqu'à Bruxelles te ramènera jusqu'en France, dans de bonnes conditions, au nom souverain de Jésus. Bonjour à Lucien Besson. You are welcome each of you. This morning it will be wonderful. We are speaking about serious matters. I will believe that God will change our mentalities. You know. The problem, all about the problem of today is about mentalities, changing our mentalities according to the word, according to the will of God, according to the plan of God for His children, for His kingdom, and for His people. And as people of God today, we bless the Lord for granting us this grace to share together each morning. The word of God, the mysteries of His word. So today again, we'll be sharing about some very, very important matters for us, for each of us, for our faith, for our development, for our today, for our tomorrow. God must be all in all for everyone in Christ. Bless the Lord. Donc Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui disent que, OK, papa, je vous ai écrit sur WhatsApp, pas de réponse. Ce n'est pas facile, s'il vous plaît. Vous savez, je fais culte tous les jours. Nous faisons culte tous les jours. Et c'est moi qui génère. Donc, vous êtes assis, vous recevez. Moi, je travaille, je génère. Donc, ce n'est pas facile de faire toutes ces choses-là. Et j'ai des milliers et des milliers de messages WhatsApp dans le téléphone. C'est compliqué de répondre à tout le monde en même temps. Donc, si vous avez écrit, je ne vous ai pas répondu, soyez patient.
jusqu'au jour où Dieu permettra. Donc, quand vous écrivez déjà, ça fait 5 minutes. Après cela, 5 minutes, là, votre message rentre en bas. Ok, voilà, c'est bon. Nous allons bénir le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour cette nouvelle journée. Disons-lui merci pour sa grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie qu'il nous donne encore. Nous sommes debout. C'est un don de Dieu. Disons merci. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, te bénissons au nom de Jésus. Nous disons merci pour cette nouvelle journée. C'est par grâce, Seigneur, que nous sommes debout. C'est parce que tu as décidé que nous sommes debout, que nous le sommes, parce que rien ne dépend de nous. Nous voulons cependant que cette journée soit bénéfique, pas pour nous seulement, mais pour toi et pour ton royaume, pour nos frères et nos sœurs, pour nos collègues, pour nos frères et nos amis, que nous rendons et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Si tu as prié avec foi, le Seigneur vient de te bénir. Il est content que tu sois reconnaissant et que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Nous allons prier pour demander au Seigneur que la Bible dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tout filet de l'oiseleur dans ces journées pour détruire nos vies, pour nous happer, pour nous prendre comme ça, nous embrigader. Tous les plans malveillants de Satan, des sorciers, des méchants. Nous allons prier pour détruire ces plans et que cette journée soit la plus belle de ce mois. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Nous déchirons les filets de l'oiseleur dans le nom précieux souverain de Jésus. Tout plan de Satan établi contre nos vies en cette journée, Seigneur, venons ici ensemble comme ton peuple pour anéantir ces plans. Tu as dit que si deux ou trois sont assemblés, nous serons au milieu d'eux. Et tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, nous demandons que tout filet, tout piège de nos ennemis puissent être vains en cette journée. Nous détruisons leurs pièges. Nous ne tomberons point dans leurs pièges, mais eux-mêmes tomberont dans leurs pièges. Seigneur, merci parce que tu es vivant et que tu te lèves en notre faveur en longueur de cette journée. Béni soit ton nom au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dis Amen où tu es. Ça veut dire aujourd'hui, tu as la foi que le Seigneur vient de déchirer les filets de l'oiseau contre toi. Le mal que tes ennemis préparaient contre toi n'arrivera pas. Ils tomberont dans leur propre mal, mais toi, le Seigneur veillera sur toi. Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Nous allons prier en ces journées. Seigneur, change le mal que nos ennemis veulent faire contre nous en bien. Change le mal que nos ennemis veulent faire contre nos enfants en bien. Seigneur, change le mal que mes collègues dans mon lieu de travail veulent faire contre moi en bien. Partout où j'irai, Seigneur, tous ceux qui comploteront contre moi, que le bien me soit fait du mal qu'ils veulent me faire. Préserve ma vie et donne-moi de faire sortir le bien du mal que mes ennemis veulent me faire. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous célébrons ton nom. Disons merci pour cette nouvelle journée. Seigneur, nous prions, demandons une seule chose, comme tu l'as fait pour Joseph. Seigneur, que du mal que nos ennemis veulent nous faire, le bien sorte. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tourner en notre faveur ce que l'ennemi a voulu tourner en notre défaveur. Nous prions dans le monde entier, partout où tes enfants sont connectés, en train de nous écouter ce matin. Seigneur, en cette journée, change le mal que nos ennemis veulent nous faire en bien. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que dans cette usine de transformation céleste, Seigneur, leur haine sera changée en notre avantage. Leurs plans machiavéliques seront changés en notre avantage. Seigneur, tout ce qu'ils vont mijoter contre nous au lieu de service, à la maison, au village, pendant le voyage, partout où nous serons. Seigneur, merci parce que nous tirerons du bien, du mal que nos ennemis souhaiteront. Et ils seront dans la confusion en longueur de ces journées. Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, si tu as prié, c'est prié avec foi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le mal que tes ennemis chercheront à te faire, ce mal sera changé en bien, en ta faveur. Tu tireras avantage de leur mesquinerie, de leur hypocrisie, de leur haine, de leur mensonge, de leur combat. Ils te combattront, mais ils ne vaincront point. Nous allons continuer dans la prière ce matin pour cette nouvelle journée que le Seigneur nous donne. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située au sommet d'une montagne. Il dit, une ville située au sommet d'une montagne ne peut être cachée. Combien de personnes cherchent à te cacher, à cacher ta vie, à cacher ton avenir, à cacher ton destin, à cacher ton étoile. Disons, Seigneur, nous revendiquons d'être en longueur de cette journée une ville située au sommet d'une montagne. Nous voulons être vus. Seigneur, élève-nous. La ville située au sommet d'une montagne, c'est l'élévation, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est l'opulence, c'est la prospérité. Ce n'est pas n'importe quelle ville qu'on bâtit au sommet d'une montagne. La montagne, pour bâtir une ville au sommet,
d'elle, il faut conquérir d'abord les rochers, la roche, être capable de construire sur de la roche, ce qui n'est pas chose facile, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, ça montre d'abord un esprit de conquérant. Seigneur, fais de moi un conquérant en cette journée. Seigneur, établis-moi au-dessus des montagnes. Et c'est la victoire, c'est la domination, être au-dessus d'une montagne. Seigneur, fais de moi un dominateur. Seigneur, donne-moi la domination sur cette journée. Et c'est la gloire, rends-moi glorieux en cette journée. Seigneur, toute montagne qui s'élèvera contre ma vie en cette journée, établis-moi au-dessus d'elle. Au nom de Jésus-Christ, je prends possession des montagnes qui se soulèveront contre ma vie. Nous sommes dans la prière au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. C'est-à-dire que nous sommes une ville située au sommet d'une montagne. Nous prenons possession des montagnes qui se lèveront contre nous en cette journée. Nous les soumettons, Seigneur. Nous dominons sur elles au nom précieux de Jésus. Et nous prenons la prééminence sur elles et nous sommes exposés. Et le monde nous connaîtra. Le monde entendra parler de nous de loin. Les gens verront la gloire que tu nous as donnée. Seigneur, ces montagnes qui viennent pour nous cacher. Ces montagnes qui viennent pour nous écraser. Fais-nous tirer d'elles le tremplin nécessaire pour être vus jusqu'aux confins du monde. Seigneur, nous tirerons des exploits, de la prospérité, de la richesse, le mariage, l'élévation, le travail, des montagnes qui viennent pour nous écraser dans le nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, je confesse que je suis une ville située au sommet d'une montagne. Et comme je suis une ville située au sommet d'une montagne, je ne peux être caché. Je ne peux être caché dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière avec foi, vous venez d'être établi sur les montagnes de cette journée. Alors, vous êtes victorieux sur ces montagnes. Vous venez de prendre possession de vos montagnes. Écoutez, la bataille n'est pas physique, elle est spirituelle. Celui qui remporte des batailles spirituelles a remporté les batailles physiques de sa vie et de sa journée. Voilà pourquoi nous prions, nous commençons la journée avec Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, gloire à lui. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette victoire. Si vous avez prié avec foi ce matin, croyez que vous avez été exaucé et cela sera ainsi. Parce que lorsque nous demandons, nous croyons que nous avons et non pas que nous aurons. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons continuer la prière, la méditation de ce matin. Et le thème de ce matin, comme vous allez le voir certainement, c'est le chrétien, Dieu et maman. Le chrétien, Dieu et maman. Nous parlons de briser les limites avec Jésus-Christ. Nous voulons briser les limites. Et je vous ai dit que les limites les plus dangereuses des chrétiens se trouvent dans leur mentalité. Vous voyez, la limite la plus dangereuse d'un homme se trouve dans sa mentalité. Je n'ai pas presque dormi cette nuit, ça c'est clair. Vous savez, les émissions du matin, c'est compliqué. Parce que vous vous levez, parfois, votre cerveau, vos sept esprits. Voilà, on a eu un souci de... Oh, on a eu un souci de connexion. Encore. OK. Nous sommes de retour. Donc, je disais que nous voulons servir Dieu. Nous voulons briser les mentalités. Le premier problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est celui de la compréhension des Écritures, l'interprétation. Donc, le problème, c'est celui de la compréhension et de l'explication, l'interprétation des Saintes Écritures. C'est très important, l'explication des Saintes Écritures, la compréhension et l'explication. Aujourd'hui, il y a une crise doctrinale dans l'Église, une crise d'interprétation des Écritures qui fait en sorte que les esprits sont divisés. Mais nous sommes engagés dans un travail, la responsabilisation des chrétiens, des croyants. Nous sommes en retard. Nous avons mal compris les Saintes Écritures, vous voyez. On ne comprend pas l'Écriture littéralement, il faut comprendre la pensée spirituelle de Dieu derrière chaque portion d'écriture. Jésus-Christ dit par exemple que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mais comme ça a trait au corps et que ça peut apporter des modifications mauvaises, négatives sur le corps du croyant, je pense que je n'ai pas encore vu un chrétien qui a enlevé, qui a arraché son œil parce que son œil convoite. Il a compris forcément que ça ne voulait pas dire physiquement arracher son œil, mais ça voulait dire se séparer de l'objet de ma convoitise. Donc nous parlons de Dieu, le chrétien, Dieu et maman. Et nous allons lire ensemble le passage de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Normalement, c'est du verset 24 au verset 34. Et je prie que tu me donnes ton attention ce matin. Ceci est venu après l'observation que la médiocrité a pris une place prépondérante dans l'Église de Dieu, dans notre génération. Les chrétiens sont devenus médiocres. Et comme vous le savez, j'ai engagé un grand séminaire de brisement, de malédiction, de limitation, au milieu des intellectuels dans l'Église. J'ai découvert hier, il y avait tellement de monde qui était diplômé du bac jusqu'à l'agrégation au doctorat. Ils étaient très nombreux. Et cela montre tout simplement le potentiel que l'Église a. Mais dans ceux très nombreux, la majorité d'entre eux sont au chômage. Ils ne travaillent pas.
Et pour plusieurs d'entre eux, il n'y a même pas de problème. Hein. Ça veut dire que j'ai mon Jésus, j'ai le royaume des cieux, et ça me suffit, j'ai la vie éternelle, ça me suffit. Et c'est là l'erreur. C'est cette erreur que nous voulons rectifier dans la mentalité des chrétiens, parce que en développant cette mentalité, nous sommes devenus esclaves du monde, esclaves de la mondanité. C'est-à-dire, les mondains sont devenus esclaves de ceux qui devraient être nos esclaves. Et donc, il est question pour nous de comprendre. Donc, le problème, c'est quoi? Nous avons conservé Matthieu chapitre 6, le verset 33, qu'on a expliqué. Peut-être on reviendra même encore sur ça aujourd'hui, si Dieu le permet. Mais il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Voilà. Et certaines versions disent, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme pour dire qu'il n'y a pas une interdiction de la part de Dieu de nous donner les biens de la terre. Mais le problème du croyant, le problème de Dieu par rapport au croyant, et qui devait aussi être la priorité du croyant, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire qu'un croyant doit vivre pour rechercher le royaume de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Jésus veut dire que si on met devant le croyant deux choses, entre choisir la justice de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et choisir les biens de la terre, le chrétien doit abandonner les biens de la terre pour chercher le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Mais ce que Jésus veut, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu cherches, tu possèdes d'abord le royaume de Dieu. Quand tu as dans le royaume de Dieu, maintenant tu possèdes les choses de la terre, les biens de la terre. Donc, un chrétien doit d'abord posséder le royaume de Dieu. Quand il a possédé le royaume de Dieu, il cherche à posséder maintenant les choses de la terre. Il n'est pas dit que le chrétien doit chercher à posséder le royaume de Dieu et il rejette le royaume de la terre. Parce que tu vas vivre comment sur la terre? Ces biens-là, Dieu les a préparés d'abord pour son peuple, pour ses bien-aimés, et non pas pour ses ennemis. C'est ça le problème. Les biens d'un homme ne sont pas pour ses ennemis, mais pour ses enfants. Tes enfants bien-aimés. Donc, le croyant ne doit pas dire, oh, j'ai mon royaume des cieux, mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle, lequel nom même parfois est écrit avec des erreurs. Parce que tu n'es pas bien converti. Tu te dis, oh non, je suis sauvé, je suis sauvé. Ton nom même est filoché. Ton nom, quand on regarde bien dans le livre de la vie éternelle, on ne lit pas l'ange, on ne pourra même pas bien lire ça au jour du jugement. Parce que c'est filoché, ta vie n'est pas parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Vous voyez, parfois même quand on regarde même bien, ton nom c'est écrit avec le crayon. On ne sait pas si c'est la gomme qui a écrit ça ou bien si c'est le crayon qui a écrit ça. Et puis tu le vends et tout cela. Donc il faut comprendre. Le chrétien doit rechercher d'abord le royaume des cieux. Nous vivons pour la vie éternelle. Il doit me rassurer que mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Si mon nom n'est pas écrit dans le livre de la vie éternelle, en ce moment-là, les biens de la terre sont inutiles. Je ne dois pas mettre les yeux sur ça. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ouais, c'est ce principe-là qu'on doit comprendre. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il n'est pas sauvé? Vous voyez? Donc un chrétien doit comprendre ça. Mais à nous croyants, Jésus dit qu'elle est la vie éternelle d'abord. Et on ne peut pas parler de croyant, de chrétien, si tu ne possèdes pas la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'es pas né de nouveau. Parce que l'un des signes fondamentaux qui prouve qu'on est né de nouveau, c'est qu'on est sauvé. C'est que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu, Dieu nous appelle par nos noms, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Mais si toi, ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de la vie éternelle, l'opération, si ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Si tu n'es pas encore né de nouveau, ça ne te concerne pas. Ça veut dire que toi, tu dois chercher à naître de nouveau. Nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont demeurés dans la prison de la médiocrité, la captivité, de la paresse. Disant, oh, je suis né de nouveau, mais après, tu vas payer ta maison comment? Tu vas envoyer tes enfants à l'école comment? Non. Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est vrai que le français, ce n'est pas la langue de notre grand-mère ou de notre grand-père, mais quand même, on est un peu allé à l'école, on comprend un peu. Quand on dit recherchez premièrement, ça veut dire qu'on veut que vous fassiez de ça une priorité. Le croyant ne doit pas faire de la richesse mondaine une priorité, mais du royaume de Dieu une priorité. C'est ça, vraie priorité. Il doit arrêter de chercher les biens de la terre tant qu'il n'a pas trouvé les biens d'en haut. Mais dès qu'il a trouvé les biens d'en haut, il peut maintenant s'engager à chercher les biens de la terre, sachant que son salut est assuré. Vous voyez? Mais si ta vie n'est pas encore conforme au royaume de Dieu, tu ne peux pas te mettre à chercher en même temps les choses de la terre, tandis que ta propre vie n'est pas encore conforme et que ton salut n'est pas assuré. Dans ce moment-là, tu laisses d'abord les biens de la terre, tu te concentres à chercher à ce que ton salut soit assuré, à être sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. C'est la question fondamentale et prioritaire et primordiale pour chaque croyant, chaque jour. Quand tu te réveilles, pose-toi la question, si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? C'est la première question. C'est-à-dire la première question qu'un croyant doit se poser, ce n'est pas que maintenant là, je veux manger quoi? Je veux m'habiller comment? Je veux payer le loyer comment? Si tu te poses ces questions, tandis que la question du salut n'est pas encore résolue dans ton cœur, c'est-à-dire que tu es en train de pécher par rapport au précepte de Matthieu 6, verset 33. Jésus dit que ta priorité, tous les jours de ta vie, ton obsession, ton obnubilation doit être basée sur
si je meurs maintenant, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que je retournerai vers mon Père céleste? Est-ce que j'aurai ma demeure? Est-ce que ma demeure est déjà préparée? Est-ce que mon nom est écrit sur mon appartement au ciel? C'est ça la priorité, c'est ça l'obsession des vrais croyants. Alors, lorsque tu te rassures que tu es sauvé, maintenant, tu dois alors demander, si je meurs maintenant, je vais au ciel là, mes enfants vont faire comment pour vivre sur la terre des vivants parmi les humains, sans devenir esclaves des autres personnes, en attendant qu'ils sont, pendant qu'ils sont en train de s'assurer aussi de leur salut. Maintenant, si je meurs là, ma femme va manger quoi? Si je meurs aujourd'hui, mes enfants vont manger quoi? Si je meurs aujourd'hui, quel est l'héritage que j'ai donné à ma famille? Ma mère qui a souffert pour moi, qu'est-ce qu'elle profite aussi de ma vie aujourd'hui? Mon père qui a souffert pour mon éducation, il profitera de quoi en tant que mon parent? C'est-à-dire que et sa fierté de m'avoir accouché, c'est quoi? La Bible dit que le parent de l'insensé est dans l'amertume, mais le parent de l'enfant sage est dans la joie. Vous voyez? Donc voilà un peu, en quelques mots, ce que Jésus veut dire aux croyants. Donc, un chrétien qui fait de l'argent, qui fait de l'argent sa priorité, et il n'a pas compris la volonté de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à lui. Et un chrétien qui se dit, j'ai la vie éternelle et donc aller travailler là, ça ne sert à rien. J'ai la maîtrise, c'est vrai, mais je vais plus chercher le travail parce que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. C'est mal, il agit très mal. Parce que Jésus ne lui a pas dit que quand tu as la vie éternelle, ne cherche pas sur quoi tu vas manger. Non, il ne dit pas ça. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais il faut comprendre que quelque chose qui n'a pas été dit, c'est que ça ne sera pas donné, ça ne sera pas servi comme la tête de Jean-Baptiste a été servie dans un plateau. Déjà que même pour servir la tête de Jean-Baptiste dans un plateau, il a fallu attraper Jean-Baptiste, ce qui n'a pas été chose facile. Non. Non, non. Pour l'attraper, attraper un prophète, c'est le travail. Donc on a travaillé pour attraper Jean-Baptiste, pour le mettre en prison, ça n'a pas été chose facile. C'était un dossier compliqué à gérer. Et on a coupé sa tête, on a mis dans un plateau. Donc les bénédictions, là, la maison ne viendra pas d'un plateau, Dieu te donne la maison, bam. Tu as un jour, tu as pu. La maison est devant toi. Ou un jour tu dors, tu devrais. Il y a une Mercedes Maybach devant toi. Non, ce n'est pas ça. Quand il dit ces choses vous seront données par-dessus, c'est pendant que tu travailles que Dieu te donne ces choses. Dieu ne te donne rien du néant. Je vous dis la vérité. Et j'ai expliqué à l'église hier qu'il n'y a rien de gratuit dans le royaume de Jésus-Christ. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. Tout a un prix. Même la bénédiction matérielle dont il est question ici, son prix, c'est le travail. Tu dois avoir une grande ambition dans ton cœur. Tu dois être un visionnaire. Tu as dit que vraiment, je suis né pour réussir. Je serai la tête et non la queue. Jésus a tellement dit des choses. Il nous a promis des terrains, des maisons, etc. Mais il dit que ces choses-là sont secondaires. La priorité, c'est la vie éternelle. Si je meurs, où est-ce que j'irai? Parce que ça ne sert à rien de posséder tout ça comme les païens et de mourir et aller en enfer. Dieu ne veut pas que le sort des païens soit ton sort. Maintenant, Jésus-Christ a dit quelque chose de très fort dans Matthieu 6, verset 24, que je vais lire avec toi. Ça nous aidera à mieux comprendre Matthieu chapitre 6, le verset 33. Parce que le verset 24 et le verset 33 sont en corrélation. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, j'ai dit hier à l'église, j'ai dit ça à la jeunesse diplômée hier à l'église, que, il y a des chrétiens, vous partez par exemple en Europe, des chrétiens sont là-bas, c'est des chrétiens, ils ont des grands immeubles. C'est des chrétiens, ils sont nés de nouveau, leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Hein. Parfois, c'est même écrit plus que ta passe en gros caractère. Toi, c'est écrit en minuscule, eux, c'est écrit en majuscule. C'est des enfants de Dieu comme toi. Mais ils ont de belles maisons sur la terre. Ils ont de belles voitures. Quand ils viennent à l'église, la pluie qui te trempe en roulant ne les trempe pas. Le soleil qui te tape là ne les tape pas. Ils entrent dans leur voiture dans le parking. Ils roulent à l'église. Ils sortent. Ils entrent dans l'église. Ils sortent de l'église. Ils entrent dans leur voiture. Ils vont faire les emplettes dans les grands supermarchés, les grandes surfaces. Tandis que toi, c'est en Kowloon que tu vas. Quand il pleut, quand tu reviens du marché, on ne reconnaît pas. C'est comme si tu es sorti du champ. La boue jusqu'au genou. À cause de la pauvreté. Donc, eux, tu ne les verras jamais là-bas, ce genre de chrétiens. Mais c'est des enfants de Dieu. Ils sont sauvés comme toi. Parfois plus sauvé que toi, parfois plus spirituel que toi et moi, parfois plus, ils se sanctifient plus que toi et moi, et Dieu les a bénis, ils sont les bosseurs. Ils ont compris qu'en fait, Dieu nous a donné le ciel et nous a donné ensuite la terre. Ils ont compris que Dieu ne t'a pas seulement donné le ciel et fait de toi un esclave sur la terre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Il y a plein de passages de la Bible qui montrent que la bénédiction matérielle est la conséquence d'une vie de consécration à Dieu. Celui qui cherche Dieu, qui s'acquitte à chercher Dieu, qui s'attelle à connaître Dieu, la récompense sur la terre, c'est la prospérité parce qu'il a trouvé Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que si vous trouvez Dieu, vous trouverez la prospérité parce que vous avez la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est ça. Où est donc la différence? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien qui mange bien sur la terre et qui est sauvé et un chrétien qui est esclave sur la terre et qui est sauvé? Frère, je préfère être un chrétien qui est béni sur la terre et qui est sauvé. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous. Quand on va mourir au ciel, tu seras triste. Ça va te prendre au moins 100 ans, 1000 ans même,
pour oublier la manière dont le diable t'a maté, la manière dont la pauvreté t'a maté, l'amertume que les têtes de bon gâteau ont apporté à la bouche pendant ton pèlerinage sur la terre. Tu seras, il y a des chrétiens qui, si on ne fait même pas attention au ciel, il va même voler l'or. Il va les voler au ciel. C'est-à-dire que tellement la pauvreté a tapé le gars qu'il arrive, trouve les cuirs en or, il vole, il met dans la poche. À quoi la mentalité de la pauvreté? Or, tandis qu'il y a d'autres, quand ils seront au ciel, ils seront habitués. Tu sais, ils vont voir l'or là, ils sont habitués. Puis sur la terre, ils mangent, vivaient dans l'or. Dieu leur avait déjà donné la grâce, la capacité de vivre dans l'abondance, dans la richesse, etc. Quand tu ne crois pas que Dieu peut te rendre riche, Dieu va te laisser dans ta pauvreté, mais tu seras sauvé. Mais celui qui croit que comme Jésus sauvé là, Dieu peut m'ouvrir les portes sur la terre ci. Et je ne serai pas une honte pour l'évangile, je ne serai pas une honte pour le royaume de Christ. Je ferme la bouche des païens, je vais montrer aux gens qu'on peut être né de nouveau, on peut mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, obéir à la voix de Dieu, conformer son cœur à la Bible et être riche en même temps, être excellent et exceller dans tous les domaines de sa vie et réussir dans cette vie. Et tu rectifies, tu relèves un défi qui est très urgent de nos jours aujourd'hui, celui de prouver au monde qu'être chrétien ne veut pas dire qu'on a choisi d'être médiocre. Qu'être chrétien ne veut pas dire qu'on est absolument pauvre. Il y a des gens qui, quand ils voient un chrétien qui roule dans une belle voiture, ils disent: Ah, donc chez vous, on roule dans la voiture. Hein. D'un chrétien ne veut pas acheter de la voiture. C'est comme ça que les gens nous voient aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut rectifier. Nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie éternelle, nous avons le ciel, mais aussi nous sommes prospères sur la terre, nous sommes un modèle. Nous ne sommes pas une honte pour nos familles, nous ne sommes pas une honte pour notre génération, nous ne sommes pas une honte pour l'Église. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, je lis en grec et je vais expliquer, parce qu'en grec, je vais t'expliquer des choses que tu ne comprends pas en français. Lis en français si tu veux. Lis d'abord. Lis en français. Je vais lire maintenant en grec et je vais te montrer des choses que tu ne peux pas comprendre avec la langue française, qui n'est pas assez riche comme le grec. Jésus dit ceci: Udeis dunatai dusi kurioi ois duleu ein. Udeis dunatai dusi kurioi ois. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres en même temps. Odeis Dunatai, vous ne pouvez pas avoir la capacité. Dunatai, aucun homme ne peut avoir la capacité de servir deux maîtres. Kurioi, Duleu Ein, de servir deux maîtres en même temps. Et il dit: Hegar ton ena miserei. Soit il va haïr l'un, kai ton hétéron agapesei, ou alors il va aimer l'autre. Et il continue en disant: He enos antezetai, kai tu hétéro kataphronesei. À l'autre, il sera dévoué, à l'un sera dévoué, et à l'autre, il le méprisera. Et il dit: Ou dunaste, vous ne pouvez pas avoir la capacité. Ou dunaste teyo dulei ou ein. Vous ne pouvez pas avoir la capacité d'être serviteur de Dieu, kai mamona, et serviteur de maman. Donc à la fin, il dit, vous ne pouvez pas avoir, parce que quand on dit dunatai, ça veut dire avoir la puissance. Dunamis, ça veut dire la puissance, le pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir en vous le pouvoir en même temps de servir Dieu et de servir maman. Mamona, mamona, ou bien maman. Maintenant, à la fin, Jésus dit qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce que je veux que tu comprennes dans ce passage, c'est quoi? C'est que il dit ceci, je vais expliquer rapidement les étymologies. Il dit: Udeis dunatai dusi kurioi ois duleu ein. Personne, il dit, vous ne pouvez pas, dunatai, vous ne pouvez avoir en vous la force ou bien le pouvoir ou la puissance de servir ou la capacité de servir deux maîtres en même temps. Or, le mot maître ici, c'est kurioi. Kurios veut dire celui qui te tient soumis, celui qui a autorité sur toi, celui qui te commande, celui de qui ta vie dépend. Il faut comprendre cela. Maître ici, kurios, veut dire celui de qui ta vie dépend, celui qui a le contrôle sur ta vie, celui à qui tu es soumis, celui qui te commande, celui qui dirige ta vie, celui qui prend le contrôle de ta vie. Il faut bien comprendre ça pour comprendre la suite. Il dit: Dulei, dulei, duleu. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Excusez-moi. Ok, le grec est compliqué. Il y a tellement d'associations de voyelles compliquées qu'on ne trouve pas en français. Donc, il dit, personne de vous ne peut servir deux maîtres en même temps. Et dans douleouéin, on a doulos. Doulos veut dire être enchaîné. Donc,
Quand on prend kurios et on prend doulos, en grec, ça veut dire c'est un maître qui t'enchaîne. C'est un maître qui attache l'esclave. Doulos veut dire un esclave. Donc, Jésus veut dire que tu ne peux pas devenir l'esclave de quelqu'un qui t'enchaîne, de ton maître qui te met dans les chaînes. Parce qu'un kurios est enchaîne, un kurios à un doulos. Et un doulos appartient à un kurios. Et un kurios, ce qui détermine le doulos, c'est les chaînes de son kurios. Ce qui fait d'un doulos un doulos, c'est les chaînes du kurios sur lui. Et ce qui fait d'un kurios un kurios, c'est qu'il a un doulos qu'il a enchaîné quelque part. Donc, doulos veut dire un esclave. Et kurios veut dire un seigneur, celui qui a autorité sur cet esclave et qui a des chaînes. Il n'y a pas de kurios ou kuriois sans chaînes. Donc, ça veut dire quoi? Jésus-Christ veut dire que tu ne peux pas être enchaîné par un maître, par deux maîtres en même temps. Tu seras, c'est-à-dire que tu ne peux pas être enchaîné par un maître, par deux maîtres en même temps. Un esclave ne peut pas avoir deux maîtres en même temps. Chaque esclave a son maître. Donc, tu peux avoir deux chaînes venant de deux maîtres différents. Non, un seul maître t'enchaîne. Soit c'est Dieu, tout est où, qui t'enchaîne, soit c'est Mamona, Maman, qui t'enchaîne. Maintenant, lorsqu'on parle de Maman, le mot Maman en lui-même signifie quoi? Maman est un terme sur le plan étymologique qui vient, dont les origines sont tirées de l'araméen. Donc le mot Mamona vient de l'araméen. Et puis aussi, il y a aussi une origine sémique ou bien sémitique. Vous voyez, donc hébraïque, ou bien sémitique, on dit sémitique, ça prend tout ça, c'est l'hébreu, l'araméen, etc. Donc, le mot maman, à l'époque, parmi les juifs, ou bien parmi les araméens, maman signifiait la richesse, les richesses. Vous voyez, maman signifiait les richesses, maman signifiait les biens d'un homme, maman signifiait l'argent. Voilà ce que le mot maman signifie. Donc, maman signifie les richesses, les possessions d'un homme. Maman signifie l'argent. Maman signifie les richesses d'un homme. Donc, le mot maman veut dire les possessions, ça veut dire l'argent, ça veut dire les richesses. Or, Jésus dit, si on prend ce plan littéral, parce qu'il y a le plan littéral, le plan dénotatif et le plan connotatif. Sur le plan dénotatif, maman signifie l'argent, maman signifie les richesses, maman signifie les possessions d'un homme. Ça, c'est la dénotation. Jésus-Christ explique donc clairement que en vérité, lorsqu'on parle de la vie d'un homme sur terre, un homme ne peut pas servir ses richesses, les richesses de la terre et Dieu en même temps. Un homme ne peut pas servir ses possessions, adorer ses possessions et adorer son créateur en même temps. Un homme ne peut pas adorer l'argent et Dieu en même temps. Et sur le plan dénotatif, connotatif, le mot maman, mamona ici, veut dire le Dieu des richesses, le Dieu des possessions ou le Dieu de l'argent. Ouais, c'est ça maman, pour donner l'explication étymologique au grec. Maintenant, vous avez compris quelques mots clés et leur étymologie et peut-être même parfois leur philologie. Maintenant, retournons dans l'explication littérale du verset. Jésus dit que personne ne peut servir deux maîtres en même temps. Ou il va haïr l'un et mépriser l'autre, aimer l'autre, ou il va respecter l'autre et mépriser l'autre. Il dit, vous ne pouvez pas servir en même temps les possessions, les biens de la terre, vos possessions, votre argent ou bien l'argent en général et servir Dieu en même temps. Il dit non. Le croyant est fait pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Et le non-croyant est fait pour adorer maman. Voici la séparation. Là, tu comprends maintenant Matthieu chapitre 6, le verset 33. Le croyant adore Dieu, il n'adore pas maman. Or, le non-croyant adore maman. Maintenant, il y a des gens qui veulent adorer en même temps maman et Dieu. Et il y a ça concerne maintenant les enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne peut adorer et maman et Dieu en même temps. Jésus dit, c'est pas possible. Tu vas aimer l'un. C'est la vérité. Et c'est une question fondamentale pour l'Église aujourd'hui. Et comment savoir si je sers Dieu ou si je sers maman? Quelqu'un peut poser la question. Comment non savoir si c'est Dieu que je sers ou bien si c'est maman? À chaque fois, ton travail peut devenir ton maman. C'est-à-dire, il peut devenir l'objet de ton adoration. Ton commerce peut devenir ton maman. L'objet de ton adoration, ton idolâtre, ton idolâtrie. Donc, si par exemple, entre aller à l'église et aller au travail, j'ai choisi d'aller au travail. En ce moment-là, celui que j'ai honoré, c'est mon travail. Mon travail est mon maman. Je ne sers plus Dieu. Mon travail est devenu mon maman. Or, le travail fait partie des possessions de la terre. En ce moment, à chaque fois que je mets dans ma vie les possessions de la terre au-dessus des intérêts du royaume de Christ, je suis en train de servir maman. Voilà ce que Jésus voulait dire. À chaque fois qu'un croyant, au lieu de prier, choisit, fait autre chose, cette autre chose-là devient ton maman en ce moment.
Tu fais de ça ta priorité. Le royaume de Christ n'est plus ta priorité. Jésus voulait dire quoi? Chaque chrétien, rien ne doit jamais remplacer la place de Dieu. Rien ne doit égaler la place de Dieu dans nos cœurs. Rien ne doit être au même niveau que la place de Dieu. Je ne parle même pas de dépasser, surpasser, surclasser Dieu dans nos vies. Quand on parle de surclasser, on ne devait même jamais entendre ça dans la vie d'un croyant. Quand on parle d'égaler Dieu, on ne devait pas entendre parler de ça. Donc Dieu devrait être inégalable dans la vie du croyant. Comme maman est inégalable dans la vie du païen. Dis à un païen de laisser d'aller chercher son argent, venir à l'église. Le gars va t'insulter. Pour lui, c'est son Dieu. Son Dieu, c'est son argent, ses possessions, sa richesse. Mais si un croyant se retrouve à ce niveau où son argent, son travail, ses richesses, ses possessions viennent avant le service de Dieu, c'est un problème. Or, dans l'église aujourd'hui, on a plein d'idolâtres dans nos églises. Beaucoup de frères sont des idolâtres, des adorateurs de maman dans nos églises. Tu peux adorer maman sans te rendre compte. À chaque fois que tu arrives dans ton assemblée, parce que les gens me regardent, ils sont chacun de son assemblée, de leurs assemblées. À chaque fois que dans ton église, on te pose un problème d'argent et que tu as l'argent et que tu ne sortes pas ça, parce que dans cet argent, tu te dis, je vais aller faire le business avec. Le jour où tu vas mourir, qui va faire le business avec? Ton argent, là, tu sais entre les mains de qui ça va tomber. À chaque fois qu'on pose un problème d'argent dans ton église et que tu as de l'argent et que tu ne résolves pas ce problème d'argent, sache que tu es un adorateur de maman. Tu fais de cet argent ton Dieu. Quelqu'un qui n'est pas adorateur de maman ne peut jamais mettre les besoins de la terre au-dessus des besoins du ciel. Non. S'il y a un problème, quand Dieu dit donne, lorsque l'Esprit de Dieu te parle dans ton cœur, il dit sors 10 000 dans ton argent, fais ceci. Sors 100 000, sors 1 million, sors 10 millions, sors 100 millions dans ce qui était donné pour faire avancer mon œuvre. Et que tu dises non, parce que non, je dois construire une école. Mon ami, quelqu'un dont... Seigneur, aide-nous, aide-nous. Quelqu'un qui adore Dieu, même s'il faisait un projet de milliards, Dieu l'arrête et lui dit, arrête ce projet, prends les milliards là, va faire avancer mon œuvre. Mon ami, le monsieur va sacrifier ces biens là, il va sacrifier ce grand projet parce qu'il sait qu'en fait, ce projet n'a rien à voir avec le salut de son âme. Le salut de son âme est sa priorité. Il est à l'église, pas pour les biens de la terre, il est à l'église pour le salut de son âme. Si Dieu lui dit arrête, il va arrêter parce que Dieu est sa priorité. Mais toi, tu vas dire non. Si j'arrête ça vraiment, tu vas trouver les raisons. Seigneur, les dîmes là vont revenir à l'église, etc. Et puis tu vas refuser. Oh, ce que Dieu te demande de faire, c'est pour voir s'il continue à être le premier dans ton cœur ou s'il devient le deuxième. Mais si tu n'arrêtes pas par obéissance au Saint-Esprit, Dieu comprend donc qu'il n'est plus le premier. C'est ton collège, c'est tes projets qui sont devenus ton Dieu, ton maman. En ce moment-là, on dira que ton projet est devenu ton mamona, c'est-à-dire ton maman, ton Dieu. C'est ça la vérité aujourd'hui. Oh, vous savez, vous le savez tous. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup d'entre nous, ça veut dire qu'on vient à l'église après notre travail. On vient à l'église, on se dit non. C'est ça, en fait, c'est ça le paradoxe. Vous comprenez? Tu dois choisir. Oh non, si je ne travaille pas, je vais manger quoi? Je ne peux pas venir aujourd'hui, pasteur, parce qu'il faut que je vende au marché là jusqu'à avoir l'argent pour payer le loyer. Il n'y a pas de problème. Dieu va te mettre dans des situations où tu dois être obligé de quitter ton marché pour aller dans la maison de Dieu sans avoir eu à la fin du mois, mais Dieu ne te donne pas l'argent pour payer le bailleur. Parfois, Dieu est sans sentiment. Et le bailleur te chasse, tu es dehors. Dieu regarde comment tu vas faire. Parce que si Dieu n'éprouve pas ton cœur, il ne sera pas sûr de ton amour vrai pour lui. Non, il ne sera pas sûr. Parfois, Dieu va te demander de faire des sacrifices, c'est-à-dire de te séparer d'un bien terrestre pour se rassurer si ton argent n'est pas devenu entre-temps ton maman. Dieu peut même te demander que prends les clés de ta maison, offre à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un que si Dieu me dit aujourd'hui, prends les clés de ta maison, va donner à tel. J'ai dit la vérité, je veux le faire. Dieu ne m'a jamais dit que fais comme ça. Et j'ai refusé, jamais. En fin d'année passée, dans notre parti, on avait au moins 6 voitures. Le Seigneur dit, prends telle, donne à telle. Prends telle voiture, donne à telle. Prends telle voiture, donne à telle. Il y a des croyants que Dieu ne peut pas tenter dire ça. Parce que Dieu sait qu'ils ne vont pas obéir. Nous avons distribué toutes les voitures, mon épouse et moi. Il est resté une seule voiture. Donc, parfois, quand elle voulait sortir, et elle voulait sortir, j'attendais qu'elle sorte. Quand elle finit, elle revient, je reportais, je faisais mes programmes par rapport à ses sorties. Non, quelqu'un dont Dieu est le Dieu et dont maman n'est pas le Dieu, même si Dieu lui dit, enlève ta maison, les clés, donne à quelqu'un, il va prendre sa maison et donner. Il ne discute pas avec Dieu. Voilà les chrétiens qui ont la vie éternelle. Parce qu'il sait qu'il a déjà sa place au ciel. Il a des richesses impérissables dans le ciel et dont les choses de la terre, c'est juste pour vivre. Quoi qu'il travaille, c'est Dieu qui bénit. Et il sait que tout ce qu'il possède appartient à Dieu. Et à Dieu seul. Puis il va mourir, il va laisser ça. Dieu va rester avec ses affaires. La maison que tu vas construire, tu vas rester avec. Rien ne t'appartient. Même l'eau que tu bois va sortir sous forme de pipi, d'urine.
Ça va sortir, ça ne reste pas avec toi. La nourriture que tu bois là, tu vas aller rembourser ça. C'est une dette. Tu vas aller rembourser ça. La nourriture va te dire non, mon ami, tu n'es pas mon propriétaire. Je retourne à la terre, à mon propriétaire. Tout ce que nous possédons lui appartient. Tant que vous n'avez pas compris cela, ça veut dire que vous êtes encore loin du vrai christianisme. Vous comprenez? Donc, le chrétien ne doit jamais accepter que les choses de la terre deviennent une priorité pour sa vie. Le royaume des cieux d'abord. Le royaume des cieux, tu dois être capable de te dépouiller des choses de la terre à cause du royaume des cieux. Comprends bien. Tu dois être capable. Tant que tu ne peux pas te dépouiller de certaines choses dans ta vie à cause du royaume de Christ ou à cause de l'amour de Christ ou à cause de ton engagement chrétien, ces choses-là sont ton Dieu, sont ton maman. C'est là que tu sauras que tu as des mamans. Tant que Dieu te dit, Dieu te met à cœur, prends ton téléphone-ci, donne ça à quelqu'un. Tu dis non, j'ai acheté ça cher. Et si tu n'avais pas, qu'est-ce que tu ferais? À l'époque où tu n'avais pas, tu ne vivais pas. Tant que tu ne peux pas faire ces choses-là, mon ami, tes richesses, c'est ton maman, c'est ton Dieu. Tu sais maman, tu ne sais pas Dieu. Chaque fois où tu peux arriver, Dieu te dit, prends la dîme, paye la dîme. Tu ne peux pas enlever la dîme de 1000 francs pour donner à Dieu ton argent. Tu es un adorateur de maman. Voilà comment on sait. Voilà les miracles qui accompagnent les serviteurs de maman. Donc tu peux être dans l'église, tu penses que tu es sauvé. Non. Mon ami, ton nom a été effacé dans le livre de la vie éternelle depuis longtemps parce que tu as placé ta confiance dans les biens de la terre, dans tes possessions, dans tes richesses, dans ton argent et non pas dans Dieu. Il y a des chrétiens qui sont d'une chicheté, c'est-à-dire que même le diable lui-même va venir à leur école de chicheté apprendre. Le diable, c'est-à-dire que tu vois les élèves dans leur école de chicheté, tu trouves que dans la liste de présents, tu vois Satan. Et sur le banc, tu vois le diable aussi avec son cartable en train de prendre une note. C'est-à-dire qu'il dit que, gars, enseigne-moi, dis-moi quelque chose. Toi, tu as eu ton secret où? Des chrétiens dont les biens matériels sont devenus les dieux. Je veux donner ça à Dieu et après, je veux faire comment? Quand tu n'avais pas, tu faisais comment? Et si tu ne vivais pas? Et si tu ne respirais pas? Est-ce que ta vie n'avançait pas? C'est ça le problème. Donc, écoutez mes amis, nous devons faire attention à l'adoration de maman, au culte de maman dans nos vies et dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, sans le savoir, sont devenus serviteurs de maman. À chaque fois que Dieu te dit, enlève ton habit, donne ça à la soeur, à ta soeur à côté, à l'église. Et que tu dis, oh vraiment, ça c'est mon plus beau vêtement. C'est avec ça que je vais pendant mes fêtes. Si j'enlève ça, je vais encore porter quoi? Tes possessions sont devenues ton Dieu. Dieu, tu as échoué à l'échec. Tu as échoué au test. Dieu vient de découvrir que, ah, donc tes possessions sont devenues ton Dieu. Tu ne peux plus lui obéir à cause de ton vêtement. Chaque fois que Dieu te dit, enlève tes mèches brésiliennes, là, tu viens d'acheter ça. Donne ça à ta soeur qui a la calvitie sur la tête. Elle couvre aussi sa calvitie avec. Toi, tu as quand même les cheveux. Et quand tu dis non, ma brésilienne, c'est ah non. Oh, ma malaisienne, je ne peux pas. Oh, Seigneur, toi, si je cherche quelqu'un d'autre. Mon ami, en ce moment-là, ta brésilienne est devenue ton Dieu. Tu es serviteur de maman. Chaque fois que les biens de la terre sont une priorité dans ta vie par rapport aux besoins et aux nécessités du royaume ou de ta foi, tu es un adorateur de maman. Oh, la question que je te pose ce matin, adorateur de maman, oui ou pas? Donc, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Le temps passe tellement vite. On va revenir sur ce message encore demain. On va travailler encore là-dessus demain par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut dire que si tu veux donner ton offrande, on parle comme ça, tu as Orange Money, tu as Momo. Ton Orange Money te sert même à quoi? Si ce n'est pas maman qui est dans ton téléphone. Hein? Ça te sert à quoi? Ça te coûte quoi de dire, ok, Seigneur, je fais une offrande ce matin, que ta maison aille de l'avant, que les projets du ministère se puissent réussir. Que tu prends ton téléphone, tu t'as, ah non, je ne peux pas, j'ai des projets. Je veux faire ceci. Et un jour, tu vas mourir, mais le téléphone, là, les bandits vont même voler ça pour aller manger ton orange money pour rien. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, à la fin, ne gagnent pas, ils perdent toutes leurs richesses, leurs investissements, parce que Dieu leur montre que la vie d'un homme ne dépend pas du nombre de biens qu'il possède. Jésus-Christ doit être ton bien absolu. Tu dois être le genre de chrétien qui disent que, Seigneur, reprends tout ce que j'ai. Prends les maisons, prends les voitures, prends tout ce que tu m'as donné, mais laisse-moi Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent, Seigneur, vraiment, prends la vie éternelle, reprends ta vie éternelle, efface mon nom là-bas, mais laisse-moi mes immeubles, laisse-moi. Si Dieu te demandait aujourd'hui que laisse tous les immeubles que tu as bâtis là, offre ça aux gens, les voitures que tu as, offre ça aux gens, ta maison que tu as conçue avec tant de souffrance, offre ça à quelqu'un, va dormir dans la rue. Seras-tu prêt à faire cela? Les serviteurs, les vrais adorateurs de Dieu, je vous dis la vérité, ils vont prendre les clés des immeubles là, ils donnent aux gens. Les gens vont dire que c'est un fou. Oui, c'est le fou de Jésus, parce que Dieu est leur priorité. Ils vont s'en séparer, mais les adorateurs de maman dans nos églises, vont dire à Dieu que non, pardon, je préfère l'église là, je ne viens même plus là-bas, c'est fini. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Il y a tellement de choses à dire entre temps, nous allons revenir sur ça demain. Donc, pour ceux qui veulent faire une offrande orange, Momo, c'est le plus, c'est écrit là, à l'introduction, sur l'entête de l'émission, plus 237 600
72 13 03 23 et Orange Money, c'est 692 40 71 86. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des appels, vous pouvez appeler à ces deux numéros, MTN ou Orange, ou bien les appels WhatsApp. Voilà. WhatsApp aussi est disponible. Vous pouvez faire des appels WhatsApp. Et pendant que vous le faites, le Seigneur vous bénit dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main et sa grâce soient sur vous ce matin, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, que Dieu te bénisse au nom de... pendant que tu te connectes ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. On va prendre quelques sujets de prière ou quelques témoignages. Vous nous dites d'abord comment, ce que vous avez compris, passer par eux, passer les prières bêtes là. Il faut qu'on arrête ça d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Shalom. Allô, bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Vous appelez d'où? De Yaoundé. De Yaoundé, qu'est-ce que vous avez retenu de la parole, s'il vous plaît? Elle est partie. On va prendre quelqu'un d'autre rapidement. Ce matin, on va prendre une autre personne, un autre appel. Donc, les numéros sont affichés. Vous pouvez appeler pour poser les questions. Et pour tous les diplômés, du bac jusqu'au doctorat, à l'agrégation, la conférence va continuer tout à l'heure. Je suis à Douala, ça continue tout à l'heure à partir de 10h et non pas 16h. L'heure est revenue à 10h et non pas à 16h. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire à Yaoundé. Allô, Allô. bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Vous Je suis appelez-vous? Maman Johanna, j'appelle depuis Ndjikinimeki. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord, qu'est-ce que vous avez retenu ce matin? Allons-y vite. Oui, papa. Merci, papa, parce que vraiment, je suis nourrie ce matin encore une fois de plus. Oui, maman, vous Moi, avez je retenu suis directement à la télé. Vous avez retenu quoi? Je suis combattu ici, papa, comme je vous ai dit l'autre jour, sur les terres de mon père, tout est emporté. D'accord. Seigneur, nous prions pour Maman Yvonne au nom précieux de Jésus, que tout ce qui lui a été dépossédé lui soit rétrocédé dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à toi. On va aller très vite, vous voyez, en peu de temps, un maximum de personnes à qui nous devons rendre ministère ce matin. Les appels WhatsApp, les appels WhatsApp, les appels WhatsApp. En attendant WhatsApp, on prend les appels normaux. Alors, Allô, bonjour. madame. Bonjour. 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 Vous appelez d'où? J'ai retenu pour la leçon d'aujourd'hui que un enfant de Dieu ne peut pas servir maman, maman qui est l'argent et Dieu. Que nous devions faire de notre priorité Dieu. Ok. Et ça m'a beaucoup trop enseigné. Je n'avais pas compris la lecture dans ce sens-là. Et vous pensez que vous êtes, vous servez maman ou Dieu? Je sais Dieu. D'accord. Alors, vous avez un témoignage ou un sujet de prière? J'ai un sujet de prière. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, mon sujet, c'est de briser l'emprise de l'échec sur ma vie. Parce que j'ai reçu cela de Dieu. Un jour, je priais. La semaine passée, je priais vers minuit. J'ai dit à Dieu que pourquoi dans mes affaires, je vais. Ça D'accord. commence bien à la fin. D'accord, c'est Ça compris. Ne, ça C'est tombe. compris. Au nom de Jésus, je prie. Que l'échec soit brisé dans la vie de ma fille au nom précieux souverain de Jésus. Que les portes lui soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez comprendre que le principe du succès, c'est le travail et l'ambition dans la vie. Donc, quand tu as ta vie éternelle, maintenant, tu vas attaquer maintenant le succès matériel et financier. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 Oui, bonjour. Vous appelez donc? Oui. J'appelle de Bertois. Vous appelez par WhatsApp? Si c'est WhatsApp, je vais raccrocher. J'ai dit que les Camerounais, les appels nationaux, ne nous appelez pas à partir de WhatsApp, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Laissons nos frères du bout du monde. Allô, bonjour, papa. Bonjour, madame. Vous appelez donc? Yaoundé, papa. D'accord, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la leçon? Oui, papa, j'ai retenu qu'on n'a pas suffi de mettre à la fois maman de Dieu. Oui, papa. D'accord. Alors, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Oui, papa, j'ai un sujet de prière. Ok, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Oui, papa, j'aimerais que le Seigneur me donne, qu'il me donne la force de lire sa parole tout le temps, que la paresse ne vienne plus quand je lis sa parole, papa. D'accord. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour ta grâce dans la vie de ma fille.
que la paresse la quitte au nom précieux de Jésus, qu'un esprit d'application dans les Écritures lui soit donné et qu'elle soit versée dans les Écritures comme Esdras et Néhémie au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est extraordinaire. On a un problème de connexion ici ce matin pour nos amis qui doivent appeler. Le wifi ici dérange. La connexion que j'essaie de mettre aussi, elle dérange. Donc, les appels effacent. Ok, on va faire avec. Allô, bonjour. Bonjour, professeur. Mm-hmm. Vous appelez d'où? Yaoundé. Yaoundé, d'accord. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez retenu déjà du message? Mais qu'on peut passer si tu es maman. Ouais. Et à cet effet, ça m'a beaucoup édifié. Mm-hmm. Gloire à Jésus. Donc, vous, servez Dieu, vous servez Dieu, maman. Moi, je sais Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous vous suivons. C'est sujet de prière. Oui, j'ai un sujet de prière. Mm-hmm. C'est à propos, en fait, de mon voyage. J'ai vu dans la fortification de Tiffan. Je voudrais que le Seigneur me délivre de ça. D'accord. Voulez, la délivrance, là, vous voulez que ça se passe comment? Que le Seigneur vienne à la maison ou quoi? Je disais que je veux que le Seigneur prenez, me délivre. Prenez une décision. Dieu, c'est un peu comme si vous disiez que. Je mange beaucoup le piment, que Dieu me délivre du piment. La chose est simple, arrêtez de manger le piment, tout simplement. De si vous vous rendez compte que vous menez une vie de fornication, prenez juste la bonne décision. Arrêtez de mener la vie de fornication et puis le reste viendra seul. Dieu ne viendra pas vous attacher et vous mettre un caleçon en fer pour que vous n'alliez plus forniquer. Non, c'est vous qui prenez la décision. Allô, bonjour. Oui, bonjour, homme de Dieu. Mm-hmm. Bonjour, madame, vous appelez de la France. C'est la France ou où? J'appelle depuis Paris. D'accord, depuis Paris. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ce matin de l'enseignement, s'il vous plaît? Donc, j'ai retenu qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux, premièrement. Oui. Et ensuite, également, être excellent dans ce qu'on fait. Oui, oui, bien sûr. Mmh. D'accord. Témoignage au sujet de prière? Oui, je voudrais prier pour que Dieu ait véritablement la première place dans ma vie, en fait. Mmh. Oh, ça, c'est beau, ça. Parce que j'ai identifié, en fait, que... Voilà, il y a des domaines où il ne passe pas avant. Et ça, c'est très important. C'est une bonne étude. Hein. La sincérité, c'est important. Quand on demande, tu sais, Dieu, maman, les gens disent simplement que Dieu. Mais en réalité, si on entre dans nos vies, on trouvera qu'il y a des domaines de nos vies où Dieu n'est pas le premier. Parfois, même, voilà. Il est le dernier ex aequo. D'accord. Seigneur, nous prions pour notre sœur qui a été sincère ce matin, au nom souverain de Jésus. Chaque domaine de sa vie où tu n'es plus le premier. Seigneur, nous prions que tu redeviennes premier, que tu reprennes ta place. Et je prie pour ma propre vie et pour mes frères et mes soeurs dans le monde entier qui me regardent en ce moment. Seigneur, nous sommes connectés. Nous voulons que tu sois notre Dieu, notre seul Dieu. Maman doit quitter nos vies au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est extraordinaire. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Plus 32, c'est quel pays? Allô, bonjour. Il y a un problème de connexion. Dommage. Ok. Parti. D'accord. Voilà. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux, souverain de Jésus. Je voudrais prier pour clôturer en bénissant ta journée ce matin. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vous ouvre des portes extraordinaires dans le nom souverain de Jésus-Christ. Pitié ramoua inesma li faluka. Anau albata filista. Décaudali foros. Père, je prie et je bénis cette journée. Que mes frères et mes soeurs dans le monde entier soient bénis. Seigneur, fais en sorte que nos cœurs soient tournés tout entier vers toi. Que personne ne discute ta place dans nos vies ni dans nos cœurs, dans le nom précieux et souverain de Jésus. Chaque domaine où Satan s'était développé en secret dans nos vies, Seigneur, nous lui ordonnons de quitter, de partir et de laisser que nous adorions notre Dieu Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Partout où vous êtes, que Dieu change votre cœur, qu'il ôte en vous le cœur de pierre et vous donne un cœur de chair, afin de mettre en pratique ses ordonnances et ses prescriptions dans le nom précieux souverain de Jésus. Je bénis ta journée. Partout où tu seras distingué. Tu seras la tête et non la queue, premier et non dernier, car l'Éternel met sur toi un signe pour te distinguer. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné avant de partir, partage la vidéo à tes groupes, à tes amis. Et invite-les tous les matins de lundi à jeudi à 6h. Nous sommes là pour bénir nos journées
à la lumière des Saintes Écritures. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous les diplômés de Douala, nous sommes là. Et vendredi, nous avons la grande nuit des flammes du côté de Yaoundé, vendredi. Et mercredi, demain, nous avons la conférence des bienfaiteurs. Si vraiment maman n'est pas ton Dieu, retrouve-moi à la bire. Demain, mercredi, à partir de 16h, à la bire en Kouaba. Sois présent corporellement, physiquement, et viens. Et à Douala, ce sera le 29. Le 29 juin, à partir de 16h, à Ndogbon, derrière l'immeuble Kamlay. Ce dimanche, nous avons le culte des familles avec service de mouchoir à Yaoundé et service d'eau ouinte à Douala. Donc, si vous êtes à Douala, préparons-nous chacun avec sa famille et son offrande de consécration familiale pour le dernier culte du mois où nous consacrons nos vies à l'Éternel, où nous renouvelons notre alliance avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse et bonne journée de travail. Shalom, shalom, shalom.